la team Yandere, comment allez-vous aujourd'hui les amis? J'espère que vous êtes contents, j'espère que vous avez la forme et surtout vous avez vu la petite notif apparaître sur votre téléphone. J'espère que vous avez eu un petit sourire, vous l'avez bien compris aujourd'hui. On va replonger un petit peu, on va retourner sur Yandere Simulator. Alors pour ce qui est des mises à jour, il n'y a pas trop de choses à se mettre sous la dent en vrai. Hein, voilà, Yandere Dev a toujours la vitesse équivalente à celle d'un escargot. Donc malheureusement, ça avance quasi pas. Mais aujourd'hui, je vais faire un truc plutôt cool. On va tout simplement briser des mythes. En fait, ça revient un peu à la même chose que les vidéos défis que je pouvais faire à l'époque. On va tester plusieurs expériences et on va voir si elles fonctionnent ou si elles fonctionnent pas. Du coup, bah si ça fonctionne pas, on brise le mythe. Si ça fonctionne, c'est que le mythe est validé. Voilà. Donc j'espère que le concept vous plaît et j'espère que vous êtes content de replonger un petit peu dans Yandere Simulator. Moi en tout cas, oui, on y va. Et on va commencer avec un premier mythe les amis, qui dit que apparemment on pourrait avoir un bug de zinzin si en gros on mouille Osana, on l'envoie dans les douches, au moment où on lui vole son téléphone, quand elle revient, et ben en fait on doit mettre de l'eau par terre et on doit l'électrocuter pendant qu'elle est en train de se dire mais où est mon téléphone et tout, on me l'a volé. Apparemment il y aurait un bug de zinzin. Par contre il y a vraiment un setup de ouf à faire, donc j'espère me pas me fail, et en plus le temps est compté, donc on va se dépêcher, vous allez comprendre un peu comment est-ce que ça va se dérouler. Donc tout d'abord les BG, ce qu'on va faire c'est que on va avoir besoin tout simplement du distributeur d'eau, parce que souvenez-vous, vous savez peut-être pas, hein, pour la plupart qui ont peut-être pu regarder Yandere depuis longtemps, en fait il y a un piège que tu peux faire, que tu peux mettre en place avec le distributeur d'eau. Vous allez comprendre, moi en même temps il faut que je me concentre bien pour faire les choses bien dans l'ordre étape par étape, mais en gros tu vois il y a ça, on va avoir besoin de la batterie aussi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre cette batterie de voiture et je vais déjà aller l'installer dans la douche, sur le lieu du crime, je dirais même plutôt le lieu du mythe. Donc on va aller déposer ça tranquillou juste là, ici, vous allez comprendre. Là pour l'instant je suis sûr t'es en train de te lire mais frère qu'est-ce qu'il va encore nous pondre et tout celui-là. Écoute, comme à la bonne vieille époque, vous savez que dans mon cerveau, des fois, il y a des trucs de zinzin qui se passent. Et bah là, il va se passer un truc de zinzin, ou peut-être pas, tu vois. On va voir si le mythe est vrai. Du coup, maintenant, ce qu'il me faut aussi également. Attends, ce que je vais faire quand même pour m'aider, c'est que je vais activer le debug menu. Voilà, tac. Et pour ceux qui aimeraient bien savoir comment ce qu'on fait, tu tapes D-E-B-U-G sur ton clavier pendant que tu es en jeu et ça activera le debug menu. On va prendre le seau ici, on va le remplir d'eau et on va aller le mettre, hop, dans le distributeur qui se trouve juste ici. Tu vas voir, ça va commencer à prendre forme, ça va être magnifique. On rajoute le liquide, ça c'est fait. Ensuite, on va avoir besoin également d'un autre truc, on va avoir besoin de fil. Et pour ça, et je parle pas de fil de Hercule, hein, attention, hein, on va avoir besoin de ce fil là, hop, qui se trouve juste ici, hop, spool of thread, hein, voilà, appelle ça comme tu veux. Et ensuite, ce n'est pas tout, ce n'est pas tout, on a également besoin d'aller dans le club de drama, si je dis pas de bêtises, non, dans l'art club, excusez-moi, et on va aller récupérer le fameux masking tape. Et c'est ça qui va nous permettre de créer une sorte de fil un peu comme ça, scotché sur le sol, histoire que les gens se prennent les pieds dedans pour pouvoir être trempés. Voilà, par contre, le temps avance de fou, il faut vraiment que je me dépêche. On va mettre ça, donc ça je mettrai le moment venu. Donc ok, attendez, je suis en train de réfléchir, il me faut ça mais il me faut également un autre seau d'eau. Ouais ouais, il me faut un autre seau d'eau, donc pour ça je vais aller sur le toit. Et il me faut un couteau aussi également, je suis désolé hein, je suis un peu en mode je parle vite et tout parce que le temps avance et il y a beaucoup de choses à laquelle il faut penser en fait, enfin beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Donc j'ai le seau, ça c'est bon. Donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais déjà aller mettre le seau, je pense, dans les douches, comme ça j'aurai vraiment la batterie et le seau d'eau près de moi. Et on va du coup hop passer par là bas hop 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 hop, il faut vraiment pas que je me rate hein. De toute façon si ça rate c'est pas de ma faute, c'est que le mythe est faux et à ce moment là on l'aura brisé, n'est-ce pas? C'est tout l'intérêt de cette vidéo. Ok, j'ai tout qui est en place, on va retourner aller chercher le distributeur d'eau qui se trouve juste ici mesdames messieurs. Et ce qu'on va faire avec c'est que hop on le récupère. Bon, je vais me TP dans la classe, je crois que c'est ça. Oui, oh là, par contre les chouins chouins, on se calme, on se calme, on se calme, hein. J'ai pas envie qu'elle fasse rater mon plan. Hop, je vais devoir positionner ça de sorte à ce que Osana, en fait, tout à l'heure, vous savez qu'elles vont venir ici pour parler du cadeau de Senpai, du bento plutôt. Et ben on va profiter justement de ce petit moment pour que quand elle part, elle se prenne les pieds dans le piège, qu'elle se fasse mouiller, et là après on pourra voir si le bug fonctionne ou pas. Et je fais un truc, je vais augmenter ma séduction pour pouvoir parler à Rebaro. Ok, tout est en place, je pense ne pas avoir fait d'erreur. Est-ce que le roi des défis est de retour et va se fail? On va voir, on va juste attendre que notre petite pote Sana là, elle se ramène. Je crois les amis que j'ai pris trop de temps en fait, je vous l'avais dit hein, mais forcément du coup c'est plus compliqué de se concentrer. Mais par contre attends, attends, il y a peut-être une technique, il y a peut-être une technique, il y a peut-être une technique. Voilà, voilà, là ils sont en train de parler. On va tester un truc, on va tester un truc les BG. J'espère que ça peut fonctionner en vrai. Donc vas-y, je crée ça. Oh non, 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 j'enlève. Ouah, c'est dur là, j'ai peur. Non, Sana, reviens. Comment je vais faire? Peut-être dans les escaliers ou dans le couloir ici? Ah, mais c'est bon, les refs, arrêtez. Attends, attends. Boum. Non. Je me suis fait griller. Non. Bon, ok, bon, vous savez quoi?
je vais recommencer tout en off, j'ai tout setup. Mais là normalement on arrivera au moment où elle va dans la classe. Jusque là je suis arrivé trop tard. De toute façon, que serait une vidéo de ce genre s'il n'y avait pas de fail? Est-ce qu'on est là pour un peu de nostalgie ou est-ce qu'on est là en mode pour avoir un nouveau frit qui ne fait jamais de fail, etc. Non frérot, vous savez, je suis le roi des fails. Et bah du coup, c'est un peu ma signature, c'est un peu ma marque de fabrique. Il y a des fails dans cette vidéo. C'est comme ça, écoute, on change pas et une équipe qui perd, n'est-ce pas? Ok les amigos, normalement c'est bon, j'ai tout refait. Et regardez, en fait elles arrivent à 7h11 et c'est pour ça. Hop. Voilà, c'est bon, c'est bon. Et c'est pour ça en fait que je suis arrivé trop tard. Et du coup, bah elles étaient déjà parties, donc forcément ça a ruiné mon plan. Mais là logiquement, le fil là, il est bien placé. Et Osana en repartant devrait se le manger, devrait être trempée. Le problème c'est que si elle te grisse, elle te voit placer le piège, et bah en fait elle va passer dedans. Et normalement ça ne fera rien, tu vois. Mais là, normalement c'est ok. Vas-y Osana, s'il te plaît. Oui, c'est bon, elle est trempée, on fonce dans les douches. Là on perd peu de temps, là on a peu le temps de niaiser, peu le temps de rigoler, tout ce que vous voulez. Je fonce vers les douches et là il va vraiment falloir que je sois précis, parce que je pense que si ça fonctionne, en tout cas si ça fonctionne, il va falloir que je sois vraiment ultra précis, sinon je vais me rater. Et en fait vous allez comprendre ce que je vais faire. Vous allez voir, déjà je vais devoir penser à dégager Rebaru très rapidement. Voilà, là Osana tu vois, elle se ramène. Donc Rebaru, ce que je vais faire c'est que elle est pas là. What? Ah si, elle a bugué. Ok, hop, Rebaru Maros. Voilà, à ce favor, distraire. Elle va aller distraire n'importe qui, va me distraire lui s'il te plaît. Voilà, tire-toi de là. Là ensuite ce que je fais c'est que hop, j'arrive ici, je mets de l'eau, je pique le téléphone d'Osana. C'est bon, là je l'ai piqué. Et là avec la batterie, va falloir que j'arrive à la balancer pendant qu'elle est en train de chercher son téléphone. C'est un truc de zinzin. Si je me rate vraiment, je serais trop dégoûté. Parce que là, avoir tout setup pour rien, ce serait vraiment chiant. Mais bon, tout va bien se passer. On est ensemble. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, sérieusement? Oh attends, elle arrive. Ok. Oh j'ai peur. Oh, non. Allez, cherche ton tel. Attends, ça marche pas. Non. J'ai électrocuté la plaque d'eau, mais c'est pas la plaque que je dois électrocuter. C'est Osana normalement. Et du coup, bah qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Eh bah ça. Ok, on recommence les amis. Non, là. Oui. Attention, est-ce que ça fait un bug? Oui, c'est bon. C'est bon, ça fonctionne. Let's go. Osana est morte là. Mais les vivants, en plus Rebaru se ramène, j'ai eu de la chance. Regardez qu'est-ce qu'elle fait. Mais Osana, qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, mais ok, je pensais qu'elle avait eu un bug texture. Mais Osana, qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qu'elle... Mais elle va jusqu'où comme ça? Attends, je comprends pas. Est-ce qu'elle a vraiment un chemin là? Mais pourquoi elle monte? Attends, mais je crois que elle est morte en fait, parce qu'on entend le dialogue de Rebaru. Elle est censée être morte, mais elle lave le sol, genre elle s'est pris pour un Swiffer. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait en fait. Elle s'est pris pour un balai. Il y a rien qui va, on entend Rebaru qui pleure au loin. On a Osana qui... Mais elle retourne en classe. Mais pourquoi faire? Mais quoi? Hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais attends, mais je pense que c'est l'un des meilleurs bugs que j'ai pu voir sur Yandere depuis toutes ces années. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Attends, elle a la routine ou elle est en train de chercher un truc? Hein? Mais qu'est-ce que vous faites? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun fucking sens. Et la police est appelée. Mais qu'est-ce qui se passe? On a créé un zombie. On a créé clairement un mort-vivant dans le jeu. Ouais non, c'est l'un des plus hauts bugs. Je pensais même pas, tu vois, qu'en 2023, sur Yandere Simulator, on aurait pu avoir un bug d'un tel calibre que là, ça nous rappelle vraiment les versions de genre 2017, tu vois. Non, la masterclass. Donc ce mythe est validé. Ça fonctionne bien. What? La prof dit que c'est un prank. Mais c'est quoi ce bug de fou? Attendez, je suis trop curieux. Et là, je sais qu'elle va chercher, à mon avis, tout le temps. Elle cherche son téléphone, en fait. C'est ça, mais oui, elle cherche son téléphone parce que c'est moi qui lui ai piqué. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? En fait, c'est un cadavre ambulance qui fait que dès que quelqu'un la voit, eh ben, il pense que c'est un cadavre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que la police se ramène et on va voir ce que la police va dire. Est-ce que Osana est bel et bien mort pour le jeu ou est-ce qu'elle est toujours en vie? Eh ben, allez, la police arrive à l'école. La police découvre le corps d'Osana. Ils essayent de localiser les armes, mais y a rien. Moi, on me questionne, y a rien. Et ils se barrent comme si de rien n'était. Senpai est dévasté et moi je retourne faire ma vie. Ok, donc non, elle était bel et bien morte. C'est juste que là ça a complètement bugué. En fait, le fait de la foudroyer, ça, je sais pas, ça a permis à son corps de tenir debout. Enfin, au début il était pas vraiment debout, hein. Au début c'était plutôt un balai. Et au final, on a créé un zombie. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a créé Frankenstein. Et ben moi j'ai créé mon propre Frankenstein. J'ai créé Osana Stein. Voilà, donc c'est un premier mythe validé et pas des moindres. Hein. Je pense qu'à mon avis, il sera difficile de faire mieux dans cette vidéo. Alors pour le deuxième mythe, il y a un mythe apparemment qui dit que si on va dans le truc, dans la sorte de petite page ici pour localiser le casier d'un élève, et ben il paraît que si je arrive à faire start en même temps pour ouvrir le téléphone et en même temps appuyer sur trouver le student de machin là, et ben il devrait y avoir un bug. Donc on va essayer, hop. Oh bah voilà, je crois que c'est ça le bug en vrai. Attendez, parce que ouais on est d'accord que allez, je n'ai plus le bouton qui apparaît. Et genre c'est comme si on avait rajouté un effet de flou sur mon écran. Et du coup comment je fais après? Ah, ça enlève le flou quand je reprends le téléphone. Donc en fait ouais, il y a vraiment un bug qui se fait. En fait normalement ça fait ça, tu vois, hop. Et quand tu reviens il n'y a pas de flou ni rien. Mais par contre le fait en gros de faire ça plus ça, ça marche pas tout le temps j'ai l'impression. Attends, on va essayer, soit j'ai eu un coup de chance. Voilà c'est ça en fait, quand t'arrives vraiment à avoir le bon timing, et bah t'as un flou qui se rajoute sur ton écran et ça fait disparaître le bouton ici. Donc ça fait bugger le jeu. C'est vraiment un petit mythe. Mais
mais il est validé. Du coup, c'est parfait. Pour l'instant, les mythes fonctionnent. Du coup, on n'a pas brisé grand chose. Donc, deuxième mythe, c'est validé. Maintenant, place au troisième mythe de la vidéo, du coup. Et pour le troisième mythe, en gros, il paraîtrait, les amis, il paraîtrait que y aurait moyen d'avoir un bug plutôt stylé si en gros, on ramène un esclave à l'école. Vous savez, avec le debug menu, on peut faire ça vraiment super facilement. Et que cet esclave, on arrive à le brûler. Et pendant que l'esclave brûle, si on l'envoie sur Rebaru pour l'attaquer, et ben, il devrait peut-être y avoir un bug marrant. Soit Rebaru, elle va brûler aussi. Soit je sais pas ce qui va se passer, mais il devrait y avoir un truc. Donc, on va expérimenter ça. S'il se passe rien, et ben, on l'aura brisé. Et si ça marche, ben, on va peut-être voir un truc super drôle. Donc, c'est parti. On doit ramener un esclave. Et j'avais oublié à quel point ce jeu est vraiment un jeu de psychopathe, frère. Mais alors, on va quand même s'assurer que notre petit élève est bien en place, prêt à attaquer Rebaru. Donc, ouais, ok, c'est bon. Elle est bel et bien là. Là, ce que je vais devoir faire, que je réfléchisse, attendez. En gros, il va me falloir une bougie qui vient normalement du club occulte. Après, ça fait longtemps, il y a des trucs, ça fait super longtemps. Donc, peut-être que je me trompe. Je vais voir s'il y a bien ça là. Attends. Ouais, je crois que je vais avoir besoin de ça. Ok. Normalement, si tu mets la bougie sur quelqu'un qui est aspergé de gasoline, c'est censé le brûler. Donc, je vais déjà ramener ça sur les lieux du crime, n'est-ce pas? Hop, voilà, je ramène ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que bam, je vais sur le toit. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Bah, déjà pour faire feu ou même quoi couper, c'est au choix. Bah, je vais tout simplement prendre ce seau et aller le remplir de gasoline. Donc, bam, bam, bam. Ouais, ouais, ouais. Vous voulez quoi, les délinquants? Vous voulez pas ça, ça? Tu veux pas, c'est ça? Non, non, si je le fais, en fait, il y a la prof juste devant là. Elle m'a clairement dans son viseur. Donc, on va éviter de faire les zinzins parce que là, on a quand même une expérience, un mythe à réaliser. Donc, on va tempérer un peu, ok? Je vais laisser le démon en moi, bien à l'intérieur de moi. Parce que s'il sort, ah là, l'école, elle est en feu, frérot. Bah, ouais, qu'est-ce que tu veux? Par contre, je vais avoir besoin de notre petite chef du club de jardinage qui n'est pas encore là parce que je dois lui piquer une clé. Vu que la gasoline se trouve à l'intérieur et je n'ai pas la clé. Logique. Elle est là, elle est là. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y. Alors attention. Maintenant, maintenant, maintenant. Steel key. Il y a un petit QTE à faire. Allez. X. 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 Vite, 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 vite. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Ok, c'est bon. J'ai réussi à piquer la clé. Heureusement parce que. Oh là là. J'aurais pu me faire choper à tout moment. Donc là, c'est bon. Ça me permet d'ouvrir ça et de récupérer Jerry. Hein, le fameux Jerry Can. Par contre, je crois que si elle me voit avec la gasoline, elle risque de réagir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt prendre le seau. Voilà. Hop. On prend Jerry. On remplit. On prend le seau. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement. Hop, allez déposer le seau près d'elle ici. Ah maintenant il faut que je fasse le piège. Oh j'ai tellement de choses à faire. Je préfère le piège du distributeur d'eau qui sera plus un distributeur d'eau mais un distributeur de gasoline. Et après on se retrouve. C'est bon, j'ai ramené le truc. Donc je le remplis. Bam. Ok, il n'y aura plus qu'à activer le fil. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller trouver notre petite Rebaru. Et on va lui parler parce que hop, je vais lui demander de me suivre. Donc follow me s'il te plaît, ma petite Rebaru. Voilà, lâche un peu Sana là 2 secondes là. Parce que là, clairement, tu l'étouffes à longueur de journée à la suivre comme ça, comme un petit chien. C'est n'importe quoi. Donc moi je vais remédier à ça, ok. D'ailleurs je vais même manger Osana. Et on va ramener Rebaru ici. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que regardez, ce que je vais faire en gros, c'est que je vais lui demander de stopper. Voilà, voilà, retourne faire tes petits trucs. Moi je fais ça. Ensuite, je demande à elle. Merde, je dois lui donner un couteau, c'est vrai. J'en ai un. Bam, on fait ça. Ensuite, on lui demande d'aller attaquer Rebaru. Rebaru des. Hop, elle va se manger logiquement. Il va bouger. Ok, elle va se manger du coup le piège. Et moi, ce que je vais faire, c'est que un petit peu avant qu'elle se ramène près de Rebaru, je vais la brûler, littéralement. Et ça devrait créer un bug marrant. Donc, ouais, est-ce que Rebaru va brûler avec ou est-ce que pas du tout? Je sais pas. Dans tous les cas, je trouve ça ultra intéressant de tester. Avouez, ça rappelle plein de bons souvenirs. Ok, elle arrive, elle arrive, elle arrive sur les lieux du crime. Elle arrive sur les lieux du crime. Attention, boum, on la brûle, on la brûle. Attention, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les amis? Qu'est-ce qui se passe? Ok, on voit la scène. Alors, en gros, Rebaru se défend, mais il ne brûle pas. Et elle, elle continue d'attaquer alors qu'elle est en train de brûler littéralement. Mince, on voit plus. What, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a sorti son téléphone. Attention, ça rigole plus. Elle a sorti son téléphone. Mais what, Rebaru s'éloigne. Mais elle est toujours en train de brûler. Alors en fait, je sais pas du coup si c'était ça qui était prévu ou pas. Mais on a Rebaru qui est bel et bien en vie. Elle a réussi à se défendre pour qu'au final, elle bah, finisse par se tuer du coup. Et en gros, bah, ça n'a pas brûlé Rebaru. Mais donc, je pense que ce qu'il y avait de sympa à voir, le bug qu'il y avait à voir en fait, je pense que c'est du coup l'élève qui brûle mais qui continue son action. Et du coup, ça a donné cette scène qui n'a absolument aucun sens. Et Rebaru et Osana s'en vont de l'école. Très bien. Donc, je pense que c'est un mythe qu'on peut plus ou moins valider en vrai. Parce que ça a quand même créé un bug. Un truc qui n'est pas censé se passer comme ça. Logiquement, si elle est en train de brûler, bah, elle ne devrait pas continuer son action. Rebaru, elle, de son côté, devrait brûler vu que quelqu'un en feu se ramène près d'elle. Donc voilà, ça a créé une scène complètement incohérente, complètement absurde. Tout ça pour dire que, ouais, je pense que c'est un mythe qu'on peut valider. Donc pour l'instant, en fait, c'est full succès. Est-ce que le dernier mythe de cette vidéo, ça va être aussi également un mythe validé ou pas? Ou est-ce que ce sera enfin un mythe qu'on va briser? Bah, c'est ce qu'on va voir. Après, j'ai quand même un bac plus 10 pour ce qui est des défis, des expériences, etc. Donc en même temps, quand t'es un bon praticien, forcément, ça ne peut que réussir, n'est-ce pas?
Et du coup, le dernier, c'est vraiment très 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 simple. On va faire plus ou moins la même chose, mais ça va être beaucoup moins long et beaucoup moins complexe. En fait, je vais tout simplement devoir ramener Rebaru et vous allez comprendre c'est quoi le fameux mythe. Je vous expliquerai le moment venu. Ok, c'est bon, j'ai attendu le moment où, hop, elle discute près du cerisier. Enfin, près du cerisier. Oui, c'est ça, près du Sakura. Histoire que je puisse lui demander de me suivre. Et en fait, ça va être très simple. En gros, le mythe, c'est il paraît qu'on peut avoir un bug très sympa. Si pendant qu'elle se fait attaquer par l'esclave, et ben si on sauvegarde à ce moment-là et qu'après on recharge la sauvegarde, parce qu'il y a un système de sauvegarde maintenant. Derrière, et bah ça va créer un bug. Donc on va tester ensemble, juste faire ça avant. Hop, je vais lui demander de nous reparler. Tac tac. Et elle, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner le couteau. Hop, et on va lui demander d'attaquer Rebaru. Donc attention, vous allez comprendre. Hein. J'espère que ça va fonctionner et que je vais bien faire la manip. Donc vas-y, ramène-toi. Voilà. Là, de toute façon, elle me suit, donc elle se doute de rien. Et là, boum, pendant qu'elle se fait attaquer, hop, on va sauvegarder la game. Donc pour ça, je vais dans sauvegarde. Oula, oula, niveau 1. Ok, on va sauvegarder ici. Voilà, donc là, ça a save le jeu. On a la sauvegarde qui est bel et bien présente. Et logiquement, maintenant, pour recharger une game, je vais dans load, je fais save slot, ça va relancer le jeu une journée et on devrait avoir peut-être un bug marrant. Je sais pas ce qui va se passer, est-ce qu'elles vont rester là, est-ce que ça va reproduire la scène, on va voir. Alors attention, wow, ça m'a remis ici. What? What? Ok, attends, en gros, on a réussi à annuler l'action, mais il y a un bug très drôle, c'est que elle reste à l'emplacement de l'attaque, entre guillemets, elle n'est pas là où normalement elle est censée spawn là, et ben elle spawn du coup ici et elle a annulé son action. Donc on a sauvé Rebaru de la mort, d'une mort qui était certaine. Enfin, quoique elle serait peut-être défendue, mais bref, en tout cas, on a annulé l'agression. C'est incroyable en vrai. Donc je pense que du coup c'était le mythe recherché, c'était le bug qu'on était censé avoir et franchement c'est très cool. C'est simple, court, mais très cool. Et des fois vous savez, les choses les plus simples et les plus courtes sont les meilleures. Et bah que dire que franchement c'est un franc succès du début jusqu'à la fin. Bon, hormis quelques petits fails, mais bon, ça reste du frit frérot en même temps, voilà, un frit sans fail ce serait pas frit. Mais du coup ouais, ça reste quand même une belle succession de succès, de réussites. Donc je suis plutôt content, on va dire que j'ai quand même brisé des mythes, ok. En tout cas j'ai prouvé s'ils étaient réels ou pas et franchement pour le coup oui, et c'était très cool, surtout le premier, ça reste vraiment le meilleur, le best of the best de la vidéo. Donc j'espère que ça vous a fait kiffer les amis, de revoir une petite vidéo vraiment ancien format à l'ancienne, purement nostalgie. Moi ça m'a fait beaucoup de bien et j'espère pouvoir voilà, vous avoir procuré beaucoup de nostalgie, beaucoup de plaisir devant cette vidéo. Si c'est le cas, exprimez-vous dans les commentaires, le petit pouce bleu ça fait toujours plaisir, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche et on se retrouve très vite pour les prochaines aventures et des prochaines vidéos. C'est votre ride comme d'hab, ciao.